On est live! Est-ce qu'on est live? Philippe Montré, est-ce qu'on est live? Oui! Alors, on est live! Donc, bienvenue à ce live-là. On est revenu à la formule Luminothérapie Salon. Hein, maintenant que pas comment c'était ça avec Philippe Montré la semaine dernière? C'est assez rafraîchissant, là, on dirait, d'avoir quelqu'un de nouveau. Là, t'aimais ça? Non, mais je veux dire que toi, tu restes... La personne avec pourquoi je n'étais pas là, donc? T'avais un événement? J'avais un événement. On est dans la frénésie de Noël, hein? Les événements, ainsi de suite. Exact, parce que le Philippe fait des événements virtuels de dégustation. Par contre, là, j'en parle dans le live. Malheureusement, on n'a plus de place en décembre. Donc, ça va aller en janvier 2021. Mais si vous voulez faire un petit événement famille, là, étant donné qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer là, pour les réunions familiales ou entre amis ou quoi que ce soit, ben, Louis-Philippe est là pour animer des belles dégustations. Donc, entrons en contact avec nous via notre site web et notre chère Anna Cadoré, coordonnatrice aux événements et projets spéciaux, va prendre en charge votre demande. Donc, en fait, il y a moi et il y a Carl Ortubiz aussi du podcast Terroir qui fait également des ateliers pour nous à la boîte à vin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on ne finit pas la bouteille avec Carl Ortubiz parce qu'on était pris dans des événements. Par contre, il va y avoir une entrevue avec le vigneron Sébastien Daou, donc du produit qu'on déguste ce soir, qui va être disponible sous peu. OK! Pardonnez-moi, ça vibrait en arrière, dans nos oreilles. Donc, allons-y toi, sur le vif du sujet. Donc, le R1, on parlait justement des événements qu'on avait. On parlait de du temps des fêtes qui s'en vient. Le R1 était très, 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 très populaire. C'est encore à l'envers, hein? Parce que là, les gens ne peuvent pas voir que c'est un R et un E. Ah oui, le branding est vraiment super. Parce que nous, le fait, on le voit de notre bord, mais eux, ils voient de l'autre bord. C'est ça. Mais nous, on va déguster le R1, puis on va déguster la mini-bouteille. Donc, quand même, Sébastien Daou, le vigneron des vacances, a quand même fait des bouteilles de 750 ml, mais là, il y a une toute une bouteille de 375 ml qu'on va se partager. Donc, bon format, hein, juste si on veut prendre... Justement, vu qu'on ne termine pas la bouteille avec Carl après, on s'est dit... On va être sage. Donc, une demi-bouteille. Ouais, donc, allons-y avec les vignes des Bacchantes, vignoble situé à Hemingford, sur la rive sud de Montréal. C'est quoi donc le point d'attraction le plus près, là, par exemple, de R1? Des Bacchantes, en mettant, on veut situer les gens, là, c'est où Hemingford? Le Parc Safari. Parc Safari. Parc Safari. Vraiment cool, j'étais allé chercher du vin la semaine passée. J'ai vu deux girafes. J'ai vu des genres de gnous. Fait que là, toutes les feuilles sont tombées. Fait qu'on voit, donc, allez à Hemingford. Ouais. Donc, Hemingford, super belle région viticole, vraiment, que je parle souvent. Il y a un petit circuit touristique là-bas qui s'appelle le circuit des paysans. Il est très, très, très intéressant. Il y a une dizaine de vignobles qui se trouvent dans cette région-là qui s'aident beaucoup entre eux. Donc, tous des amis. Je trouve qu'il y a une belle camaraderie dans le coin d'Hemingford. On peut parler du vignoble marathonien, du vignoble de Chaboté, qu'on parle souvent, les vignes des Bacchantes, vignoble Camille aussi, Fred Camille là, qui est dans ce coin-là. Vraiment une belle région viticole à découvrir. Pour revenir sur les vignes des Bacchantes, c'est 10 hectares. Ça semble c'est beaucoup. Non, mais c'est comme 10 hectares, ça a du sens. Je l'oublie tout le temps. Sûrement que Sébastien va nous répondre quelque part sur le chat. Mais oui, c'est quand même un gros vignoble, c'est un vignoble qui est important au Québec. Sébastien s'implique beaucoup, beaucoup dans la cause des vignerons au Québec et nous aide beaucoup, nous, les épiciers. Quand je dis nous, on est très proche de lui à la boîte à vin, mais également tous les épiciers. Tout le monde l'aime, ce gars-là. Hein? J'ai jamais entendu... Aussi, je veux juste dire, justement, parce que Mignon a dit qu'elle connaissait bien ce vin, parce qu'effectivement, avec des Bacchantes, il est de plus en plus connu, je pense, par les Québécois, notamment parce qu'il y a aussi une présence sur le réseau de la SLQ. Oui. Aussi. Là, il commence à se retirer un petit peu du réseau, préfère je crois. Ouais. Il joue sur les différents marchés, donc il est accessible. Donc, il est Les vins, justement, dans ces gammes-là, comme le R1, il avait fait le B1 également, donc plus. C'est pourquoi R1, c'est-tu? Rouge 1. Ah! J'ai répondu trop vite, j'aurais pu demander aux gens aussi de nous répondre. Par contre, pourquoi le B1 d'abord?
Oh oui, tu le savais. On reste souvent. Il y a Gabriel Trudel là, qui s'attendait à voir Philou ce soir. Par contre, Phil, il n'est pas avec nous. On a d'autres petits rôles pour lui dans nos prochains lives qu'on garde secrets pour l'instant. Mais non, on va te le dire, Phil, on aime ça quand il passe ça avec nous. Donc, on va pouvoir l'impliquer dans une autre aspect. Les gens nous mélangent beaucoup, moi et Phil. Oui, hein? Tu sais, un peu la barbe, ouais. Ouais. La barbe, peut-être la casquette. La casquette. Oui, sûrement. C'est juste les lunettes que vous avez. Ouais. Sinon, c'est tout près. Alors, on va commencer. Carl Stubbs aussi le parle que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour, effectivement, à Minford pour tout ce qui est cidrerie, culture du petit fruit et accord vin et gnou, comme le suggère maintenant. Oui, ben non, c'est ça, c'est une belle région, c'est pas très loin de Montréal, là, vraiment, là, une heure de 45 minutes même, là, on est rendu, là, ça se fait très bien. Donc, allons-y avec le R1 des Vignes des Bacchantes, donc ça va être un vin. Je vous montre la couleur, parce que... Oui, donc ça va être un vin qui va être 100% Marquette, donc Marquette, ce cépage rouge bien répandu au Québec, le cépage rouge, le deuxième cépage rouge, en fait, le plus cultivé au Québec, juste derrière le Frontenac Noir. La Marquette, on est sûr la misère avec le Marquette. Marquette va donner des vins qui vont généralement être légers et poivrés. Donc, pour faire un comparatif avec qu'est-ce qu'on trouve plus au niveau du Bétis vinifera, par exemple, je compare souvent à une Syrah. Donc, ça va donner généralement des beaux vins qui vont être fruités, légers, mais avec une belle note d'épices en fin de bouche. Donc, un côté un peu poivre. Donc, on déguste? On déguste. Donc, 100% Marquette. Moi, la couleur, est-ce que je peux couper? On a une teinte qui est très, très, très foncée. Donc, un peu violacée. Pourtant, ça va être léger. Vraiment, on reste au Québec. Si vous connaissez bien le Frontenac Noir, on va être à peu près dans ce même côté fruité-là qu'on va retrouver dans le Frontenac Noir, mais là, c'est 100% Marquette. Donc, ben, c'est ça. Donc, relativement foncé, par contre, on le sait comme que ça va donner un vin qui va être plus léger, plus, pas nécessairement corsé, mais c'est vrai que le premier abord, je penserais que c'est un vin qui est quand même assez soutenu. Oui, exactement, parce que vraiment très souriant comme raisin, donc un rouge qui est assez foncé, un beau rouge vin. Eh bien, je ne m'attendais pas à celle-là. Hey, mais au nez, moi, j'ai beaucoup le fruit séché, le raisin sec. Oui, absolument. Après ça, on a une très belle complexité au nez. Raisin sec, la date. Vraiment, des fois, avec la Marquette, quand il est en monocépage comme ça, ça va un petit peu s'arrêter au fruit. Puis au petit côté épicé en fin de bouche que je parlais plus tôt. Tandis que là, avec le R1, vraiment, on est allé chercher une complexité supplémentaire. C'est très bien travaillé. On a une belle maturité de raisin. Sébastien a très, très bien contrôlé son vignoble et son fruit. Donc, justement, il va avoir le côté fruité léger va être là, mais un petit côté fruit confit, un petit côté raisin sec qui est très agréable. Mais moi, j'ai plus le côté sec, pas confit, mais plus le raisin sec. Le raisin sec, des petites boîtes de raisin sec. C'est ça. C'est ça. Comment ça s'appelait, là? Raisin bread? Oui, exact. Donc, ouais, peut-être un côté, justement, fruit confit qui est très agréable. Mais sinon, aussi, moi... au deuxième nez, si on peut dire, c'est comme ça. Moi, j'ai un aspect tertiaire un petit peu plus justement épicé. Les arômes tertiaires plus épicés. Mais t'as pas de secondaire. On va skipper le secondaire. Ben non. Arômes tertiaires. Non. Primaire, fruit roux. Secondaire, raisin sec. Et tertiaire, épice, tel cardamome. Toi, quand tu dis, durant le temps des... étoilé. En temps des fêtes comme ça, tu dois être pas mal dans le jus. Je te dirais que je suis pas mal dans le vin. Hey, tu gisses et tu mousses, là, à soir. Bon, parfait. Ouais, mais c'est ça. Ça fait-tu la primaire, secondaire, tertiaire que je t'ai donné? Oui, absolument. J'ai un petit peu moins de tertiaire. Moi, j'ai le côté cardamome. Parce qu'il n'y a pas de bois. C'est uniquement la cuvinox. Mais pour un monocépage Marquette. Ben, moi, j'ai un côté un peu cardamome. Bref. Côté épicé, hein, qu'on parlait. C'est ça, exactement. C'est ça, j'aime.
Ah, on goûte, ok, parfait, oui, puis là, je peux parler pendant que tu prends la première gorgée, comme ça, il n'y a pas de blanc, tu sais, à l'écran. On apprend à assumer, hein, un jour à la fois pour devenir un vin influenceur, un vin influenceur, c'est important. Dans le bon, ben, toi, la parole, hein, Candide, tu peux même te laisser. Le petit côté poivre, à la fin, mais l'épice, l'épice, ça revient vraiment beaucoup. Non, t'avais raison, avec le côté cardamome. Ben moi, j'ai le côté cardamome, côté anise étoilé. Par contre, c'est super léger, gouléant, ça se voit vraiment. Gouléant? Oui. Oui, ben c'est donc définition de gouléant. Gouléant, ben un vin glou-glou, un vin qui a... Un beau vin de soif, un beau vin de soif agréable. Au niveau de buvabilité. Ouais. Un vin glou-glou. Parce qu'il n'y a pas de tannin qui accroche, justement, il n'y a pas de vu qu'il n'y a pas de, nécessairement de barrique, des fois, on va avoir une appréhension que le vin va avoir l'acidité dans le tapis. Par contre, l'acidité est super bien contrôlée. Ouais, mais il y a pas, juste une belle maîtrise du raisin. Mais il n'y a pas de côté boisé, c'est justement, qui va venir prendre toute la place. Fait qu'on a le fruit, puis on a le côté un petit peu épice. Tout est épice, vraiment, pour le temps des fêtes, là, on répète un peu. Là, c'est vraiment très, très bon. Tout ce qui est bon, tourtière, dinde pochée. On avait fait ça de la dinde pochée au vin rouge. Là, c'était bon, c'était bon. Oui, avec, des, avec justement de la cannelle et de l'orange. Oui, exact. Là, fait que justement, les statues, là, un petit peu les arômes des fêtes. Ah oh, ouais, ça sent très agréable. Ça sent le sun-made. Les sun-made. Ça sent vraiment bon. Mais encore avec ça, moi, je peux-tu dire qu'avec quoi je... Oui, vas-y. Ben là, tu as du tourtière. Oui, oui, oui. Mais tu sais, avec... Ça fait 3 semaines, je sais. Ah, je sais. Mets de la tourtière partout. Mais non, mais à moi, je verrais ça avec un tagine, un couscous. Tu sais, quelque chose, justement, tu sais, qui a des épices un peu... un beau mec, tu sais. Ben, des épices de Moyen-Orient ou quelque chose, tu sais, sans que ça soit trop non plus épicé. Je veux dire, tu sais, quelque chose de full harissa, ça, tu sais, de merguez, ça va être hyper... Non, c'est ça, pas non, trop, parce qu'on mais est un bon carré de pois chiches, hein? Une recette vegan ou une recette végé, un carré de pois chiches, ça va être ça. Un carré de pois chiches. On l'a essayé avec le poulet au beurre du bocal cette semaine, c'était très bon. Mm-hmm. Une petite promotion là, avec eux, c'était agréable. Non, c'est un beau vin. Donc oui, effectivement, c'est fait la promotion avec le bocal du poulet au beurre, c'est une très bonne idée. Donc voilà! La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Là, la semaine prochaine, c'est une grosse, ça va être une... On a une invité la semaine prochaine, donc c'est ça. Donc on a une invité surprise. Ouais, on peut-tu le dire ou on le dit pas? C'est parce que je ne sais pas c'est quoi le vin qu'on déguste. Mais bref, la semaine prochaine, on va avoir Jean-Sébastien Girard de la soirée d'encore. Non, de votre beau programme. La vedette de votre beau programme. Jean-Sébastien Girard va être avec nous pour déguster un vin, je me souviens plus lequel. Qui est dans la caisse de Jean-Sébastien Girard. Qui est dans la caisse de Jean-Sébastien Girard. Ah, j'ai un blanc, je ne me souviens plus. Blanc, donc si quelqu'un... C'est pas grave, mais regarde, pour les fans de la soirée de musique, écoutez de, ça. Oui. De musique de ma tante. Parce qu'on va découvrir, on va découvrir justement un vin et on va déguster un vin avec Jean-Sébastien Girard qui est présent dans sa caisse, la caisse de Jean-Sébastien Girard, dont tous les profits sont remis à la Fondation des Petits Frères. Avec nous la semaine prochaine. Donc, voilà, fait que restez à l'affût de notre vin la semaine prochaine. Si vous voulez vous commander la caisse de Jean-Sébastien Girard, ce sera un bon moment parce qu'on va pouvoir le déguster avec lui. Puis, sinon, pour ceux qui ont des événements... c'est le Phoenix Blanc de Rivière-du-Chêne. C'est le Phoenix Blanc. Bon, Phoenix Blanc Rivière-du-Chêne avec Jean-Sébastien Girard la semaine prochaine. Sinon, le R1, je sais qu'il a été très, 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 très populaire dans les derniers mois. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu au courant des dernières semaines dans leur caisse découverte. Donc, réécoutez l'épisode d'aujourd'hui. Un vin hyper accessible que tout le monde va aimer. Buvez local! Santé! Merci. Philippe, est-ce que...